Pourquoi à 21 ans je dors à la rue? Si tu penses que ma mère m'a viré de chez elle, j'en ai marre. Ou que je fais ça pour les vues, t'as totalement tort. En fait, avec mon pote Maël, on s'est lancé le défi de survivre 10 jours à la rue sans argent et uniquement avec un ballon, tout en faisant le tour de France. Après avoir rencontré Michael Youn à Lyon, dormi à la rue à Montpellier, nous avons récolté assez pour partir à Toulouse et se payer un hôtel. Bienvenue dans le jour 3 à Toulouse. De sommeil, à part ça, dans un lit, il ne peut pas mieux commencer une journée. Jour 3. Ok l'équipe, on vient de partir de l'auberge de jeunesse. On a passé une sacrée nuit avec du coup un vieux qui était avec nous. Honnêtement, qui puait de malade. Il ronflait, il pétait. Un mec, c'est un animal. Mais il avait son côté attachant, on a pu parler un peu avec lui. Il nous a récité un poème. On va vous lire tous les deux. Ça. Alors, il n'y a pas d'Occident à l'Orient. Mais dans l'Orient, on peut y trouver l'Occident. Mais ce n'est pas un accident. Encore moins une catastrophe. Il suffit de rajouter l'apostrophe. Alors du coup, ce matin, on a dépensé 5 euros dans des cafés. Donc il nous reste actuellement 69 euros pour commencer la journée. On a déjà assez pour se payer le trajet vers Bordeaux. Je ne sais pas si ça sera ce soir ou demain matin. Mais en tout cas, on est très bien. Et on va essayer de tryhard les cafés chauds et les street chauds aujourd'hui pour éventuellement commencer en bénéfice demain. Voilà, donc on peut déclarer le jour 3. Ouvert. Ok les gens, il y a Renaud qui est en train de monter les vidéos pour nos sponsors. On a passé la matinée à faire tout ça et à prévoir la suite de l'aventure. En attendant que Renaud finisse tout ça, il lui reste 20 minutes. Moi je vais aller acheter des brosses à dents et un dentifrice pour qu'on puisse enfin se brosser les dents et qu'on l'ait pour la fin de l'aventure. Il y a 4 brosses à dents pour 1,79. Tu vois, ça fait un total de 3,30. Ouais Renaud, regarde ce que j'ai acheté. Oh putain, yes. On va se brosser les dents parce que depuis le début du voyage, on s'est pas brossé. Ok Renaud, je te donne ton outil de travail. Oh là là. Yann, est-ce que je pue? Oh vache. Vas-y, check de brosse à dents. Il y a pas d'eau? Si, on a la bouteille. Ah, sur la bouteille. On a mis plus que de la maillot, les gars. Voilà. T'as pas vu le truc jeune. Ah là, c'est mieux. Il fallait faire la fin. Ouais, avec mon pote Maël, on fait le tour de France sans argent et uniquement avec un ballon. En fait, on fait des spectacles de rue de freestyle football, je sais pas. Ça sera du coup rediffusé sur nos réseaux sociaux. Et du coup, ce soir, on cherchait des artistes qui m'intéressaient avec un tarif fixe et je vais passer avec du chapeau. Le problème, c'est qu'on a une soirée. C'est une soirée sur quel thème? La fête foraine. Bah en fait, on fait le tour de France sans argent et uniquement avec un ballon. Non. Si. Là, vous faites quoi? Vous faites un tour... On a fait un tour de... La Roulouse. Ok. Toulouse. D'accord. Ok, ouais. Vous faites quoi, les gars? Nous, on fait le tour de France sans argent. Ah mais vraiment? Ouais, vraiment, on peut y donner. On a dormi dans un auberge de jeunesse. Ouais, c'est ça. Là, la nuit d'avant, on n'avait pas assez, donc on a dormi à la rue. Ouais. Décidé. Mais tu veux pas qu'on fasse un petit spectacle pour ton ami? Allez. Un truc comme ça. Moi je vous propose qu'on mette de la musique. Est-ce que vous êtes chaud? Oh!
quel bar chez Tonton, c'était fou. Comme vous avez vu dans les vidéos, c'était incroyable. Et on a réussi à avoir 60 euros en une seule prestation. Petite dédicace à Rouloute qui nous ont ambiancés durant tout notre spectacle. Voilà, donc là, petit point budget, on a 8 euros dans le chapeau avec les pièces. Dans ce bar, il n'y a pas beaucoup de monde qui a donné, mais ceux qui ont donné, ils ont battu des records, on a eu des billets. Celui-là, on l'avait déjà, on l'avait échangé. Mais on a eu billets de 20, de 10, donc là, il y a 60, plus ça, 110, plus ça, 118 euros. On a assez pour manger et se payer le transport. C'était fou. Et après, pour ce soir, on verra. On va essayer de continuer à faire des cafés chauds et tout ça. Bon, les gens, il est actuellement 17h02. On n'a pas mangé encore. Donc là, avec le budget qu'on a eu, je pense qu'on peut se le permettre. C'est un restaurant de burgers, pas du tout cher. 4 euros les burgers, 1 euro les frites. Donc on va aller. On vous emmène avec nous. Bah, toi, c'est ça. T'aimes pas ça? T'aimes bien? Quel régal. Frites cheddar, 2 burgers et tout ça pour 10 euros. 13. 13 euros? Ah oui, frites cheddar. Ouais, les Brésiliens, on vient de finir de manger. On s'est régalé. C'est trop bon. Franchement, c'était bon, pas cher en plus. Là du coup le programme de l'après-midi c'est d'aller chercher des cafés chauds, des street shows et éventuellement voir si ce soir il n'y a pas un petit bar qui diffuse le match qui pourrait nous accueillir pour faire une petite prestation devant leurs clients. On parle de match, on remercie le sponsor de cette vidéo, Omada, qui est une application de paris sportif social 100% gratuite et qui permet de parier sur les meilleurs matchs. Donc parier ta famille, qui que ce soit, voilà. C'est la possibilité du coup de vivre le frisson du sport sans pour autant dépenser un seul euro. Donc c'est une application gratuite qui fait face justement à ce côté addictif de dépenser de l'argent pour les paris. Comme des crédits gratuits que l'on appelle coins et pour payer sur une sélection des meilleurs matchs. La compétition elle se déroule du lundi au dimanche donc toute la semaine et les classements sont updatés tous les jours. C'est fini l'argent dépensé dans les paris sportifs hein. Maintenant, on se met tout ça au Omada, il y a le lien juste dans la description. Et d'ailleurs, comme tu le sais, l'Euro 2024 arrive à grands pas. Tu vas pouvoir humilier encore plus tes potes avec les matchs de préparation, notamment avec le match France-Luxembourg. C'est le premier match de préparation pour les Bleus avant l'Euro. Alors pour l'occasion, Omada propose plein de pronos que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Est-ce que le duo Mbappé-Dembélé marquera 2 buts ou plus? Ou encore le Luxembourg fera-t-il au moins un tir cadré? Tu vas se faire ton combiné de dingo sur l'application Omada. Le lien de téléchargement en description. Ouais. N'hésitez pas à vous rapprocher hein. Ici, venez, venez. Là, aujourd'hui, on va vous proposer un petit spectacle. Donc si vous aimez un petit plaisir, une pièce, un pélib, un PayPal, on accepte tout. En tout cas, qui fait bien le spectacle et... Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. On va essayer d'abattre-le. Alors la première règle, si on fait un geste de fou, vous faites quoi? Vous dormez. Vous dormez. Si on fait un geste de fou, on applaudit. Allez, on applaudit tous, on essaye. Il est trop nul. On fait quoi? Non, on applaudit aussi. Allez, on applaudit. Il y a 2 jours, donc si vous avez une petite pièce, un merci, un sourire, le chapeau est juste là. Merci encore et bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Renaud, petite photo. Merci beaucoup. Merci, merci bien. Oui, oui, oui. Ah ouais, je peux faire, je fais pour. Alors, si tu veux, on a de la monnaie. Hein. Mais vas-y, si tu nous régales, tu nous mets 5 balles, nous c'est carré. 5 balles, 5 tours. Celui qui nous met un petit point, il gagne 5 balles. Vas-y. Ok. Ok. Je sais que c'est sa mère. Wouh! Oh le bâtard! Wouh! Tu sais que je peux attendre la forme aussi. Non, il est trop bien. Wouh!
Ok, la team, on vient de finir les deux street shows à Place du Capitole à Toulouse. Ça s'est très très bien passé, on en a fait deux. On a récolté environ 50 euros, même presque exactement 50 euros. Donc c'est quelque chose de top, on a réuni beaucoup de monde comme vous avez vu sur les vidéos. On a aussi fait quelques petits bons, donc on a proposé à des gars qui passaient de faire des petits bons. Et là, on va aller voir un petit bar avec qui on avait parlé hier pour essayer de voir pour le match de ce soir ce qu'on peut mettre en place. Et éventuellement, réussir à grimper aux 200 euros. Comme ça, après, on pourra partir très serein à Bordeaux. Donc là, Maël, il a un call avec la personne qu'on était venu hier soir, le bar, pour essayer de négocier un petit truc, un petit show, comme on a vendu hier à Montpellier. On passe avant 20h. Ok, on passe avant 20h du coup. Bah, je lui dis, si on passe avant 20h, c'est bon pour vous. Ça marche. Bonne nouvelle, on a réussi à négocier un show ce soir pour le match Real Bayern avec le bar à 90 euros. Et plus le passage de chapeau. Plus le passage de chapeau, ouais. Donc ce qui fait qu'on a un budget ici de 120 euros. 120 euros. En pièces, on a du coup 130, 140, 145, 155 et 40 centimes. Donc sans compter le chapeau, juste avec l'argent du bar et l'argent qu'on a déjà, on est à 245 euros en plus de l'argent qu'on va récolter. Énorme. Je sais pas combien on va avoir, mais rien que 20 euros, ça nous ferait 270 euros, c'est une dinguerie. Enfin bref, le confort qu'on arrivera à Bordeaux, on sera à plus de 200 euros environ, c'est... Incroyable. Incroyable. Je fais un essai, vas-y Yann, mets-toi d'un coup, tu nous dis quand c'est bon et okay. On se met en place. On en fait une comme ça déjà. Vas-y. Bon, l'équipe, du coup, notre plan, ça va pas être de partir dans la nuit, mais on va réserver un Airbnb à Toulouse à 30 minutes d'ici, plus prendre un transport à 11h40 pour arriver à Bordeaux vers 14h demain. Donc l'objectif, du coup, là, c'est qu'on a trouvé le premier bus à 11h40, du coup. Voilà, donc il coûte 40 euros par personne, ça fait 80. Et pour l'Airbnb, il est à 66 euros pour nous deux, du coup. Ce qui fait un total du coup de 146 euros, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Et du coup, la cagnotte, elle est à 100 balles après. Minimum. Aujourd'hui, on met le feu au Café Os de Toulouse pour le match de Ligue des Champions. Let's go! L'équipe, on vient de finir le show avec le bar, donc ils nous ont payé. On est à 263 euros, je sais pas si vous imaginez quand même. On fait le Tour de France en partant de 0 euros avec juste un ballon, et on a 263 euros en prenant les transports et l'hôtel compris, c'est n'importe quoi. Ouais, il fait chaud, ça. Attends, d'ailleurs, pour info. Pourquoi et d'ailleurs. Attends, montre bien KPO sur les deux bières au plat. Et d'ailleurs. Et d'ailleurs, concernant les bières, on n'a rien dépensé. Et d'ailleurs, concernant les bières, on n'a rien payé parce que c'est le bar, le Café Oz qui nous l'a offert. Il nous restera environ 120 pour commencer la journée demain. Incroyable. Les objectifs pour l'instant sont remplis. Et on va arriver sereinement à Bordeaux. On se retrouve demain. Ça fait chaud là. J'ai vraiment l'impression d'être votre Je peux pas faire n'importe quoi.